Alors, je vais faire une présentation un peu générale des exercices WIMS. Donc l'idée, c'est de montrer quel type d'exercice on peut faire avec WIMS, que ce soit au niveau des types de réponses, mais surtout au niveau des types d'activités qu'on peut solliciter chez l'élève avec des exercices WIMS. Et puis je vais essayer de préciser un petit peu voilà, les avantages, les limites, les spécificités des exercices interactifs WIMS. Alors, je ne suis pas didacticien, je suis utilisateur de WIMS à l'université, en mathématiques. Donc, ce que je vais dire n'a pas de prétention scientifique. Et j'aurai sûrement un biais lié à mon expérience donc en mathématiques, à l'université. Donc c'est possible qu'il y ait des types d'exercices très bien qui existent dans WIMS, en langue ou dans d'autres disciplines, que j'ai peut-être moins bien repérés. Donc je m'excuse par avance si je passe à côté de certaines richesses de WIMS. Voilà, donc, donc ma présentation n'est pas la présentation ultime des ressources WIMS. Voilà, c'est une présentation qui vaut ce qu'elle vaut. Alors, cela étant dit, pour commencer, donc je propose qu'on regarde un exercice WIMS. Marie-Claude a déjà montré comment ça marchait, mais je vais le refaire. Donc, voilà un exemple d'exercice WIMS. C'est un exercice de maths, donc, où on demande à l'élève de factoriser une expression polynomiale. Donc, on voit les premiers ingrédients d'un exercice WIMS. C'est comme dans un exercice normal. Il y a un énoncé, donc factoriser cette expression-là, et il y a un champ de réponse. Donc ici, en l'occurrence, le champ de réponse, c'est juste une zone de texte où l'élève peut taper voilà, quelque chose. Voilà. Alors, comme l'a dit Marie-Claude, une des caractéristiques des exercices WIMS, c'est que les énoncés peuvent être aléatoires. Donc là, si on abandonne l'exercice, voilà, ça nous redonne un autre exercice avec un autre énoncé. Voilà. Donc ça, c'est pas, on peut faire des exercices à énoncé fixe dans WIMS, mais la richesse des exercices WIMS, c'est quand même justement ces énoncés aléatoires qui permettent à l'élève de répéter autant de fois qu'il le souhaite un exercice. Alors, une autre caractéristique des exercices WIMS, c'est donc qu'ils sont interactifs. Et donc, un premier élément d'interactivité, c'est que l'élève peut avoir une indication. Donc là, par exemple, l'indication, on lui explique que 2x-1 est en facteur. Alors, pas de façon explicite, mais il est en facteur. Voilà. Donc, voilà, après avoir consulté ou pas l'aide, l'élève répond. Donc, je vais répondre une réponse fausse. Est-ce que j'ai... Elles sont où les parenthèses là-dessus ? Voilà. Je suis paumé, voilà. Voilà. Okay. Donc, je réponds quelque chose de faux. Voilà. Et là, c'est le gros élément d'interactivité, c'est que WIMS corrige l'exercice. Donc, il explique que c'est faux. Voilà, donc il donne une évaluation qui peut être chiffrée. Voilà, si on veut l'utiliser. Donc là, 0 sur 10, enfin, ça se règle, le barème se règle. Enfin, bon. Et surtout, au-delà de dire c'est bon, c'est pas bon, on peut donner un feedback plus précis. Donc notamment faire une analyse de l'erreur. Donc là, dans un problème de factorisation, il faut que la réponse ce soit égale à l'expression de départ et que ce soit sous forme factorisée. Donc là, on dit à l'élève, voilà, c'est une forme factorisée, mais qui n'est pas égale à l'expression de départ. Donc on peut faire une analyse de l'erreur. Et puis on peut aussi mettre une solution détaillée. Donc voilà tout ce qu'on peut, voilà, mettre dans... dans le feedback après la réponse de l'élève. C'est donc c'est bon, c'est pas bon, une note, une analyse de l'erreur, une solution détaillée, voilà. Et on est assez libre, on peut mettre d'autres éléments de feedback si on a envie. Donc pour résumer, un exercice WIMS, c'est un énoncé aléatoire avec des champs de réponse,
des aides et ensuite un feedback avec une évaluation, une analyse de l'erreur et une solution détaillée. Alors, on peut faire des choses plus complexes. Là, c'est des exercices à une seule étape, mais on peut faire des exercices à plusieurs étapes où l'élève rentre une réponse, on lui fait un premier feedback, on l'envoie vers une autre question. Donc on peut faire des scénarios d'exercices plus complexes. Voilà. Alors, bien sûr, il n'y a pas de miracle, hein, c'est-à-dire que ça, c'est programmé. Donc si on veut une aide, notamment si on veut une aide qui dépend de l'énoncé, il faut le programmer. Si on veut un feedback qui dépend de l'énoncé, il faut aussi le programmer. Donc, plus on fait un exercice riche, voilà, en aide, en feedback, en analyse d'erreur, plus c'est coûteux à programmer. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une communauté avec plein de gens qui développent pour mutualiser les efforts. Voilà. Alors donc ça, c'était la présentation d'un exercice type WIMS. Alors, quel est l'avantage d'un exercice WIMS par rapport à un exercice sur papier ? Le plus gros avantage, voilà, c'est que l'élève peut travailler, enfin, ça facilite le travail en autonomie de l'élève. C'est-à-dire que l'élève, face à un exercice papier, que ce soit en classe ou à la maison, voilà, il fait l'exercice, il ne sait pas s'il a bon, s'il est chez lui, il n'a pas d'aide tout de suite. En classe, il a une aide qui est une aide la même pour tout le monde. Alors que là, avec WIMS, l'élève fait son exercice, on lui dit tout de suite si c'est bon, on lui fournit une aide et il peut répéter si il n'a pas réussi. Voilà. Donc WIMS favorise le travail en autonomie et l'autorégulation de l'élève. Alors, un autre avantage, c'est aussi, nous à l'université, on a ce problème-là, mais je pense qu'on n'est pas les seuls, c'est que les élèves, face à un exercice papier, ils sont assez passifs. Alors que là, il y a un aspect quand même plus actif avec WIMS et un aspect plus ludique. Il y a une note, il y a de la couleur. C'est un peu plus engageant que seul face à sa feuille. Et ensuite, un autre intérêt aussi pour le suivi, ça par rapport à des exercices à la maison, où c'est assez difficile de savoir, de contrôler le travail effectif des élèves. Là, c'est assez facile, quand on donne des exercices WIMS à faire, d'avoir le suivi du travail des élèves. Voilà. Donc, de ce côté-là, c'est aussi un avantage par rapport à un exercice papier. Donc là, c'était les avantages liés à l'aspect répétition, interactivité. Il y a une autre caractéristique, alors plus marginale, qui est le fait que ça corrige automatiquement. Et donc ça permet de faire des évaluations à grande échelle où on n'a pas de copie à corriger. Donc si on veut faire évaluer à la fin d'un cours 300 élèves, on peut faire un examen sur WIMS. Ou même si on veut faire un test de pré-rentrée, un test diagnostique sur beaucoup d'élèves. Il y a l'aspect correction automatique. Voilà. Et puis aussi il y a l'aspect distanciel. Là par exemple, si l'université est bloquée, que les examens ne peuvent pas être faits en présentiel, ça peut être une solution. Voilà. Donc, je ne sais pas si certaines universités ont testé ça ce printemps. Mais voilà. Mais donc ça c'est un aspect plus marginal qui ne repose pas sur l'interactivité, juste sur l'aspect correction automatique des exercices. Alors maintenant, je vais essayer de vous présenter les types d'exercices. Alors, je vais d'abord vous montrer rapidement les types de réponses qu'on peut avoir dans WIMS. Alors, classiquement, comme dans tous les exerciceurs, on peut avoir des QCM. Donc là, c'est un QCM médecine. Enfin, biologie. Donc on vous donne une liste de maladies et on vous demande lesquelles sont dues à des bactéries. Voilà. Donc, c'est un champ de réponse classique. Alors là, c'est un QCM où il y a plusieurs réponses possibles, mais il y a aussi la version QCM où il n'y a qu'une seule réponse possible. Enfin là, des choses assez classiques que tous les exerciceurs ont. Voilà. Donc ça...
voilà, c'est assez facile à programmer, il suffit d'avoir un stock de QCM. Voilà, ça pose pas, voilà, si, ça pose pas de difficulté à créer ce genre d'exercice sous WIMS. Alors, une variante, c'est des appariements. Donc là, vous voyez, c'est un exercice où on vous demande d'apparier les drapeaux et les pays. Donc, on fait glisser les pays. Voilà. Ah oui, ouais, ça, oui, voilà. Alors, soit on peut glisser, soit on peut cliquer sur une case et l'autre, et ça fait le lien. Voilà, donc une variante des QCM, mais qui est aussi assez classique dans les exerciceurs, c'est le champ de réponse appariement. Alors, un autre type de champ de réponse, c'est des étiquettes à déplacer. Donc voilà, donc là, on vous demande d'aller... Donc là, je vais le faire en double-cliquant. Donc, je clique... je vais prendre un os que je connais. Voilà. Voilà. Donc, toutes ces étiquettes-là, voilà, c'est bien pour ce genre d'exercice, mais c'est aussi bien quand on a des réponses avec des caractères qui ne sont pas possibles à taper dans une zone de texte. Par exemple, des quantificateurs logiques, des choses comme ça. Donc, on peut utiliser des étiquettes quand on veut placer à des endroits particuliers et aussi quand on veut faire des exercices où on demande à l'élève de réordonner les étiquettes. Voilà, donc c'est un champ de réponse assez pratique. Alors, on a un autre type de réponse, c'est des réponses où on demande à l'élève de cliquer sur une zone d'une image. Donc là, on vous demande de trouver un département. Alors, l'énoncé, il me demandait la Vendée, c'est là. Oui, voilà. Donc, il fallait cliquer sur un département. Donc, voilà, c'est un champ de réponse où on fournit une image, on dit dans quelle zone il faut cliquer, et ça nous met un point vert quand c'est bon, un point rouge quand c'est pas bon. Alors, dans le même genre d'exercice où on demande à l'élève de cliquer sur une zone, voilà, ça c'est assez utile en mathématiques. Voilà, là il ne faut pas cliquer dans une zone, il faut cliquer sur un point précis. Donc là par exemple, on demande de trouver un angle, donc de pi sur 2, sur le cercle unité. Voilà, et même principe, quand c'est bon, on a le petit point vert. Voilà. Alors. Après ces exercices graphiques, on a tous les exercices où on vous demande de rentrer une expression mathématique. Donc là, c'est toujours un champ de texte, mais après WIMS est capable d'interpréter, si on lui dit que là, dans ce champ de texte, on s'attend à un ensemble. Donc là, par exemple, voilà, c'est un exercice où on vous demande un ensemble. Donc là, WIMS s'attend, voilà, à ce qu'on lui mette des choses avec des virgules. Voilà. Voilà, donc là, WIMS a tout un tas de champs de réponses prédéfinis pour accepter voilà, des ensembles, des nombres, des fonctions. Et le texte qui est écrit est interprété par WIMS comme ce type d'expression mathématique. Donc, voilà, donc là, c'était un exemple avec les ensembles. Mais on peut aussi faire un exemple voilà, avec des nombres complexes. Donc là, voilà, je lui ai écrit 1 moins i. C'est encore faux. Hein. Voilà. Et il interprète ça comme un nombre complexe. Donc voilà. Donc là, vraiment, dans WIMS, il y a beaucoup de champs de réponse de type mathématique. Alors, aussi des choses développées dans WIMS. Enfin, possible dans WIMS, c'est des champs de réponse graphiques où on demande à l'élève de faire une construction graphique. Donc, il y a notamment GeoGebra, qui est très utilisé dans le secondaire. Donc, vous avez une interface GeoGebra et vous pouvez faire tout ce qui est possible de faire avec GeoGebra. Voilà, donc là, on vous demande de créer une droite. Hop. Voilà, bon, voilà, donc là j'ai juste fait le point, donc j'ai pas bon. Voilà, donc j'ai pas bon parce qu'il fallait faire la droite.
J'ai juste fait deux points. Donc, voilà. Donc vous avez GeoGebra, mais vous avez aussi JSXGraph. Et pour ceux que ça intéresse, dans les ateliers, il y aura un atelier pour vous montrer comment créer des exercices utilisant GeoGebra et JSXGraph. Voilà, donc ça, c'était des exercices graphiques. Et on a aussi voilà, des exercices où le champ de réponse est un texte classique. Et où, pareil, WIMS a des outils pour ne pas prendre en compte les espaces, les majuscules, voilà, pour faciliter la compréhension des réponses de type texte. Voilà, donc, je pense que... Voilà. Donc ça, c'était une rapide présentation des types de réponses qu'on peut faire avec WIMS, donc des QCM, des appariements, des étiquettes à déplacer, des clics sur des zones, sur des points, tout un tas d'expressions mathématiques reconnues, GeoGebra ou JSXGraph, et des champs textuels simples, avec des outils de compréhension un peu relâchée de ce qui est écrit. Alors maintenant, peut-être plus une typologie un peu plus intéressante, c'est quel type d'exercice, enfin quel type d'activité on peut faire avec WIMS. Voilà. Alors, une première activité voilà, qui est facile et on va dire qui est le plus bas niveau qu'on peut demander, c'est des connaissances factuelles. Voilà, c'est-à-dire ça, dans plein de disciplines, il y a des connaissances factuelles à avoir. Alors, bon, connaître les drapeaux, c'est peut-être pas un objectif de l'enseignement secondaire, mais voilà, ça, il n'y a pas à réfléchir. Voilà, on sait, on ne sait pas. Voilà. Donc là, dans WIMS, avec tous les outils de QCM, d'appariement, on peut faire ce genre d'exercice où on teste chez l'élève des connaissances factuelles. Donc ça peut être voilà, donc là, des choses en géographie, des repères historiques, ça peut être voilà, en biologie, en médecine, en pharmacie, il y a beaucoup, j'imagine, de connaissances factuelles comme ça. Donc des choses à tester, voilà, des choses sur les maladies infectieuses. Voilà, ou l'exemple de tout à l'heure de l'anatomie, voilà, mais aussi en langue du vocabulaire. Alors, en mathématiques, en physique, il y a peut-être un peu moins de connaissances factuelles, mais dans beaucoup de disciplines, ça représente une part importante des connaissances à acquérir. Voilà. Donc ça, très facile à faire. Et voilà, il suffit d'avoir un stock, pareil, de QCM à intégrer dans WIMS. Alors, un autre type d'exercice assez standard et assez répandu dans WIMS, c'est tout ce qui est procédure calculatoire. Donc ça, dans plein de disciplines, notamment en sciences, beaucoup de nos exercices, en fait, y a une procédure, il y a des calculs, il y a des algorithmes à appliquer. Et alors, oui, pour revenir sur les connaissances factuelles, l'intérêt de WIMS aussi, c'est que c'est des exercices où il faut répéter assez souvent, voilà, se faire des petits quiz régulièrement. Donc c'est ça l'avantage d'un exerciceur en ligne, c'est que on va pouvoir demander à l'élève bah, toutes les semaines un petit quiz sur les connaissances. Là, si on veut lui apprendre les drapeaux, bah, toutes les semaines, il fait un petit quiz de 10 drapeaux à retrouver et ça permet un renforcement et une acquisition des connaissances. Donc pareil sur les procédures calculatoires, c'est des procédures où il faut que l'élève s'entraîne. Donc l'intérêt d'avoir un exerciceur où il peut s'entraîner autant qu'il veut est indéniable. Donc voilà des exemples de procédures calculatoires. Voilà, ici du calcul de fractions en mathématiques. Donc là, en gestion, où il faut calculer, voilà, on a les actifs et les dettes d'une entreprise, et il faut calculer la rentabilité des fonds propres. Voilà, donc pareil, il y a une procédure, j'imagine, assez standard à mettre en place, et on aimerait que les élèves sachent la faire rapidement, sans erreur, d'où l'intérêt de s'exercer.
Voilà. Ou un autre exemple, encore des maths, mais très utilisé en physique, voilà, c'est résoudre une équation différentielle. Alors, l'avantage d'un exerciceur, donc, c'est que l'élève va pouvoir répéter et on va aussi pouvoir adapter la difficulté de l'exercice. C'est-à-dire que là, par exemple, on va mettre des étapes. C'est-à-dire que pour résoudre ce genre d'équation, il y a toute une procédure. Donc on peut décider de donner les étapes à l'élève ou de ne pas lui donner. On peut contrôler la difficulté, des paramètres, on peut mettre des fonctions plus compliquées. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire assez finement dans WIMS. C'est paramétrer tous les exercices calculatoires au niveau de la décomposition en étapes ou au niveau de la complexité des calculs demandés. Et il y a tous les outils dans WIMS de logiciels de calcul formel qui permettent de programmer sans trop de difficultés ce genre d'exercice. Voilà. Donc il y a beaucoup d'exercices calculatoires dans WIMS et c'est vraiment adapté pour en faire. Donc après, voilà, les exercices de connaissances factuelles, des exercices sur des procédures calculatoires. Oui, alors, procédure calculatoire ou aussi algorithmique. Hein, vous voyez, là, c'est nier une phrase logique. Alors, ce n'est pas du calcul au sens où il n'y a pas de nombre à la fin, mais ça reste une procédure algorithmique où l'élève, il y a une recette, enfin, il y a un algorithme à appliquer. Voilà. Alors, après ces deux types d'exercices, un troisième type d'exercice aussi qui est assez répandu dans toutes les disciplines, c'est des exercices où il y a une représentation, un langage, une convention, et il faut que l'élève la comprenne. Donc là, par exemple, il y a un diagramme en statistique, voilà, il faut que l'élève comprenne comment lire ce diagramme. Donc il n'y a pas tellement, à part l'aspect prélever l'information en ayant compris la convention, il n'y a pas d'autres difficultés. Donc là, vous voyez, c'est un diagramme qui représente un ensemble de données. Voilà, et on vous demande, en lisant ce diagramme, de repérer quelle est la médiane de ces données, le premier décile, le premier quartile, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, je pense qu'il y a vraiment dans toutes les disciplines. Donc là, c'est un exemple en statistique. Voilà. Alors là, c'est en chimie. C'est comment lire le tableau périodique. Donc là, c'est un exercice où on vous demande cet élément-là, quel est son numéro atomique. Donc là, il faut juste que l'élève y comprenne dans quel ordre sont classés les éléments de numéro atomique croissant. Et je vais avoir un troisième exemple. Voilà. Et là, c'est en mathématiques. Comprendre, donc là, ce langage-là, comprendre ces symboles-là, et une fois qu'on a compris, il n'y a aucune difficulté. Voilà, ça veut dire, est-ce qu'il existe un élément de l'ensemble A qui est supérieur à 20 ? Voilà, donc toute la difficulté de l'exercice, là, c'est juste dans la compréhension du langage et de la convention. Voilà. Donc, ça, c'est des exercices qui sont aussi assez faciles à faire et qui sont intéressants à faire avec WIMS parce que, voilà, c'est des conventions, c'est du langage qu'il faut acquérir, donc il faut un peu de routine, il faut un peu s'entraîner. Donc c'est bien de pouvoir en demander beaucoup aux élèves, souvent, pour qu'ils parviennent à acquérir, voilà, toutes ces conventions, qui sont tous ces langages qui sont nombreux dans nos disciplines. Voilà. Alors, après, on a d'autres exercices, justement comme on a des différents langages, c'est souvent de passer d'un langage à l'autre. Voilà, c'est de traduire. Voilà. Donc, par exemple, ici, un exercice de chimie avec une molécule d'alcool et on demande son nom. Voilà. Donc, ça aussi, c'est très courant dans toutes les disciplines, passer d'une représentation graphique à une représentation algébrique, de passer d'un langage à l'autre, et c'est assez facile à faire finalement parce que voilà, il suffit d'avoir une liste d'objets avec leur écriture dans les deux langages, et c'est pas très dur à générer comme type d'exercice. Voilà. Donc c'est quoi ça, c'est du butanol, non, c'est, je vais essayer, non, je, au bluff, hein.
C'était, Ah non, c'est du... Ok. Voilà, donc... Voilà, alors d'autres exercices de traduction, transformation, voilà, notamment en grammaire, où on va demander de transformer une phrase qui est à l'actif en une phrase au passif. Voilà, donc toujours dans cet esprit qu'il y a une correspondance entre deux expressions, entre deux objets, et on demande juste à l'élève de passer de l'une à l'autre, de faire la transformation. Alors ça c'est quoi ? Ah oui, et donc là c'était pour mettre un exemple. Alors il y a du son, on voit pas, mais là si on clique, enfin donc s'il y avait les bons plugins aussi sur le sur le navigateur de, mais logiquement il y a, enfin bon, c'est si votre navigateur a bien tout ce qu'il faut, vous pouvez cliquer et vous entendez le son. Et donc, oui, mais de toute façon on va pas entendre, enfin. Bref, donc c'est un exercice, on passe de, voilà, de l'audio, enfin du son à la représentation, enfin au symbole phonétique. Voilà, donc c'était aussi pour montrer que dans WIMS, on peut charger des contenus multimédia dans les exercices. Alors, donc, après tous ces exercices de traduction, alors, beaucoup d'exercices aussi dans nos disciplines où il s'agit d'identifier un objet ou de classer des objets. Voilà. Ou alors, généralement, il n'y a pas vraiment d'algorithme précis qui permet aux élèves de repérer. Donc, c'est à l'élève, là, par lui-même, de réussir à identifier des objets ou à les classer selon les définitions qui lui ont été données. Donc là, c'est un exemple en biologie où il faut dire lequel de ces trois tissus est conjonctif. Alors j'imagine qu'il y a des indices que je ne connais pas qui permettent de savoir si c'est un tissu conjonctif ou pas. Et là, bon, le champ de réponse, il faut cliquer. Donc je vais cliquer au hasard. Voilà. Et j'ai pas bon. Voilà. Ouais, mais je... Voilà. C'est pour montrer des exemples de réponses fausses. Voilà. Donc, autre exercice de, voilà, de classification en mathématiques, c'est d'identification. Donc, on vous donne une forme algébrique. Enfin, voilà, il faut repérer sa représentation graphique. Voilà. Donc là, par exemple, on voit que ça... Là, logiquement, l'élève, il doit se dire, ça ne peut pas être celle, la parabole qu'a la tête en bas, c'est forcément une des paraboles, voilà, une de celles-là, et puis en zéro, ça vaut zéro, donc c'est forcément celle-là, voilà. Là, je vais avoir bon. Voilà. Si, je vais avoir bon. Voilà. Donc voilà, donc ça, c'est encore un exercice d'identification où il n'y a pas d'algorithme précis, c'est à l'élève, en fonction des indices, il n'y a pas une méthode unique. Et encore un exercice d'identification, là, c'est l'élève qui doit trouver les verbes dans un texte. Donc voilà, donc ça, c'est des exercices aussi qui sont finalement assez faciles à faire. Suffit d'avoir une base d'objets qu'on a classés par type, et c'est assez facile. Alors le seul problème, c'est que on aimerait, dans un exercice sur papier, on aimerait que l'élève nous explique pourquoi il a choisi, quels sont les indices qui lui ont fait trouver ça. Et là, dans WIMS, on peut pas lui faire... Enfin, c'est difficile de lui faire dire pourquoi il a trouvé. Parce que si on commence à essayer de lui cadrer la réponse, en fait, ça lui donne des indices. Donc, c'est là qu'il y a une limite, c'est la justification. Voilà. Mais bon, au moins, on lui a fait travailler, même s'il n'a pas mis par écrit la justification de son choix, s'il arrive à avoir bon sur plusieurs exercices de suite, c'est au moins qu'il comprend, voilà. Même s'il n'arrive pas à expliquer. Voilà, donc après ces exercices donc d'identification, classification, alors, des exercices de type heuristique où on demande à l'élève d'essayer d'intuiter quelque chose.
Donc là, c'est moins évident à faire. C'est un peu au cas par cas. Donc là, par exemple, c'est un exercice où on donne une suite de figures géométriques et c'est à l'élève d'essayer de trouver la formule générale du nombre de cases. Voilà. C'est des exercices qu'on peut faire en WIMS, mais qui sont moins évident que les types précédents, où là, vraiment, on peut en faire... c'est très facile d'en adapter. Là, des exercices où on demande à l'élève de tâtonner, c'est plus difficile. Parce que, bon, avec WIMS, forcément, on fait des exercices quand même assez cadrés, donc des exercices où, justement, c'est pas très cadré, où il faut intuiter quelque chose, trouver des approximations. C'est plus difficile à faire. Alors, un autre exemple dans ce genre-là, c'est là où on demande à l'élève d'essayer de trouver où est le centre de gravité de ces trois points-là qui n'ont pas le même poids. Voilà, donc ces deux objets-là sont plus lourds que celui-là, donc ça va plutôt être par là. Ouais, je me suis un peu entraîné hier. Voilà. Donc des exercices comme ça, plus heuristiques, on peut en faire, mais ce n'est pas forcément dans WIMS, c'est peut-être des activités qui sont plus faciles à faire en classe ou dans d'autres cadres. Alors, des exercices qui, nous, en maths, sont un peu quand même le cœur des métiers, surtout au niveau universitaire, c'est le raisonnement. Alors, donc, alors, il y a une difficulté, c'est que si on fait un raisonnement, comment dire, qui est trop stéréotypé, en fait, l'élève il va répéter l'exercice sans comprendre le raisonnement. Voilà, il va comprendre qu'il faut qu'il clique là, et ça n'a pas d'intérêt dans ce cas-là de répéter un exercice de raisonnement trop stéréotypé. Donc là, il faut faire preuve de créativité, il faut réussir à créer des exercices qui font travailler du raisonnement et qui aient suffisamment de variété pour que l'élève puisse recommencer l'exercice en étant toujours obligé de réfléchir. Donc, c'est possible. Donc là, par exemple, c'est un exercice où il faut montrer que deux droites ne sont pas parallèles en utilisant le théorème de Thalès. Et là, l'élève doit trouver quelle quantité il doit comparer pour démontrer que ces droites ne sont pas parallèles. Donc là, il y a quand même un travail. Je me dis que même si l'élève répète l'exercice, il est toujours obligé de réfléchir, de regarder alors, quelles sont les deux droites dont on lui demande d'examiner le parallélisme. Et puis après, il faut quand même qu'il réfléchisse. Donc sur tous ces exercices-là, c'est possible, en tournant autour d'un théorème, d'une petite formule, en faisant un peu de variété, en ne demandant pas toujours la même chose, de forcer l'élève à écrire le théorème, et puis à se demander quelle information j'ai, quelle information faut que j'utilise, ou écrire la formule et regarder quelle information il a. Donc des petits exercices de raisonnement comme ça, autour d'un petit théorème, autour d'une petite formule, c'est tout à fait faisable. Mais c'est vrai qu'il faut un peu réfléchir à comment tourner l'exercice pour que ça force l'élève à réfléchir à chaque étape. Donc dans le même genre, un petit exercice là de niveau première année de licence, où on demande à l'élève de dire des choses sur la dimension du noyau d'une application linéaire ou la dimension de l'image en fonction de... la dimension de l'espace de départ, de l'espace d'arrivée, en utilisant le théorème du rang. Donc là, voilà, il y a quelques petits ingrédients à mélanger entre eux, et si on recommence, un coup on demande le noyau, un coup on demande l'image, bon bref, d'après moi, il y a assez de variété pour que l'élève soit obligé de re-réfléchir à chaque fois. Alors, comme pour tout à l'heure, comme pour les problèmes d'identification, là, on aimerait aussi demander à l'élève qui explique son raisonnement, mais voilà, c'est difficile de demander sur des exercices WIMS à l'élève d'expliciter le raisonnement qui mène à sa réponse. Voilà, donc là, on se contente de la réponse brute de l'élève sans justification. Alors, donc justement, ça c'est plutôt en mathématiques, mais dans beaucoup de disciplines, à la fin, on veut quand même que l'élève produise une preuve, un texte, un raisonnement qui produit une explication. Et ça, c'est vrai qu'en WIMS, c'est difficile, ce genre de choses. Donc, par exemple, en maths, si on demande à l'élève de produire une preuve,
on peut guère faire mieux que lui donner les étapes de la preuve à réordonner. Voilà. Et c'est difficile de faire mieux que les étapes d'une preuve à réordonner. Donc ça a pas, là, sur ce point-là, voilà, on n'a pas la richesse d'un exercice où l'élève peut écrire librement sa preuve et on peut lui donner un feedback précis sur sa rédaction. Alors, une variante qui ne fait pas travailler les mêmes compétences, c'est qu'on peut lui donner une preuve et lui demander, enfin une preuve fausse, et lui demander où est l'erreur. Voilà, là, c'est un exemple. Dans une suite de calculs, enfin une suite d'équivalence, enfin, dans la résolution d'une inéquation, voilà, on lui écrit une preuve et il doit dire quelles sont les mauvaises étapes dans cette preuve. Voilà. Donc ça, on peut faire ce genre d'exercice où on demande à l'élève de vérifier qu'une production, qu'une preuve est correcte. Voilà. Mais pareil, c'est pas évident, faut avoir un stock de assez varié de production à corriger. Alors, un domaine quand même où là WIMS est très performant, c'est là sur la production d'une construction géométrique. Parce que avec GeoGebra, c'est tout à fait possible. Et là, on peut faire finalement comme en classe, c'est-à-dire qu'on peut demander à l'élève de construire toute la construction géométrique qui lui est demandée dans GeoGebra et à la fin de vérifier que c'est bon. Donc là, ça fait partie des types de production de l'élève qu'on peut facilement faire en WIMS. Alors, il y a d'autres exemples, mais j'en ai pas mis. C'est tout ce qui est programmation informatique. Ça, c'est assez facile de demander à l'élève de programmer un bout de code qui fait telle chose, et c'est facile de vérifier qu'il a bien programmé quelque chose qui marche. Voilà. Donc, pour la géométrie dynamique ou pour de la programmation informatique, là, pour le coup, c'est facile de faire quelque chose où on peut tester la production de l'élève. Bon, et toujours pour finir dans cet aspect où on veut regarder la production d'un élève, sur les textes, je me suis trompé d'exercice, j'ai pas pris le bon. Bon, c'est pas grave. Donc pareil, on peut faire des textes à trous où on demande à l'élève de remettre des mots, de mettre des connecteurs ou des conjonctions de coordination, par exemple, et ça permet de tester de façon partielle la capacité de l'élève à produire un texte. Voilà, donc voilà un peu les types d'exercices qu'on peut faire. Donc, pour résumer, donc, sur ce qui est connaissance factuelle, il n'y a pas de problème. Pour ce qui est procédure calculatoire, ça va aussi. C'est aussi très facile à faire avec WIMS. Enfin, très facile. C'est adapté. Tous les exercices de compréhension d'une représentation, d'une convention, d'un langage, c'est facile à faire aussi. Passage d'un langage à l'autre, d'une représentation à une autre, facile à faire aussi. Identification, pareil. Et après, voilà, des exercices heuristiques, bon, c'est plus marginal. Des exercices de raisonnement, en fait, en étant créatif, c'est-à-dire que là, il faut essayer de trouver d'autres façons que les exercices papier classiques. Ça marche. Et pour tout ce qui est production d'un texte, d'une preuve, c'est plus difficile. On peut faire des choses partielles, assez cadrées, avec, selon moi, les exceptions de la programmation informatique et des constructions géométriques. Voilà. Alors, pour conclure, finalement, on peut faire beaucoup de choses. Moi, quand je suis arrivé dans WIMS, je me disais on pourra faire juste les exercices calculatoires. Mais en fait, au niveau L1, je me rends compte que on peut faire plein de choses. C'est-à-dire qu'avec les exercices WIMS, honnêtement, il y a bien 80% des compétences qu'on exige qu'on peut mettre sous forme d'exercices WIMS en première année de licence de maths. Donc, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Après, alors, c'est mon point de vue. Je pense quand même que les exercices WIMS, c'est plutôt dans un aspect petits exercices à faire, pas trop longs.
assez spécifiques. Et finalement, les tâches complexes, les tâches longues, les tâches de synthèse, bah, plutôt les reporter sur des exercices en classe ou encadrés. Voilà. Alors, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien faire des grands exercices de synthèse sur WIMS, mais moi, je pense que voilà, c'est quand même plus l'idée. Petit entraînement, petite routine, pas trop long. Voilà, c'est mon point de vue sur les exercices WIMS qu'on doit demander aux élèves. C'est essentiel de mettre du feedback. Ça, on n'en met pas assez dans nos exercices WIMS, mais les élèves, quand ils voient juste réponse fausse, ils détestent. Voilà. Et des fois, ils ne demandent pas grand-chose, hein, juste un début d'élément d'explication qui peut les mettre sur la voie. Mais donc ça, il faut mettre du feedback, il faut mettre de l'interactivité, des aides. Voilà. C'est là, en fait, que l'élève apprend. Il rate et on lui fournit une aide, on lui fournit une indication, et c'est ça, c'est là où il apprend. Alors, sur les exercices, en règle générale, mais surtout les exercices calculatoires, c'est vraiment important de maîtriser la difficulté. C'est-à-dire que parce que suffit pas de mettre un exercice calculatoire très compliqué, et si l'élève il n'y arrive pas tout seul en cours, il ne va pas y arriver tout seul face à WIMS. Donc, un des enjeux, c'est de réussir à bien contrôler la difficulté pour lui mettre des exercices qui sont progressifs. C'est-à-dire qu'on ne met pas de signes moins au début, on ne met pas de fractions au début, on ne met pas trop de termes, on ne met pas de fonctions compliquées. Donc ça, c'est important de bien segmenter un exercice dans sa difficulté, dans les étapes, de mettre plus ou moins d'étapes guidées sur les exercices et notamment sur les calculs. Donc ça c'est un point vraiment, voilà, bien contrôler la difficulté des exercices. Et sur les exercices plus conceptuels, je l'ai dit, faut faire preuve de créativité et de variété, mais je me rends compte qu'il ne faut pas beaucoup de variété pour faire croire à l'élève qu'en fait c'est plein d'exercices différents. C'est-à-dire que nous, on a l'impression que c'est le même exercice, que ça ne va pas tromper l'élève, mais il suffit de changer un peu l'énoncé, de mettre les informations dans un autre sens, et ça suffit à forcer l'élève à re-réfléchir à chaque fois. Voilà. Parce que l'écueil avec les exercices WIMS, c'est qu'en fait l'élève comprenne une manière superficielle de résoudre l'exercice. Il se dit, je prends le premier chiffre, je prends le deuxième, je les multiplie et c'est bon, ça marche. Voilà. Donc il faut trouver des stratégies pour mettre de la variété et forcer l'élève à re-réfléchir à chaque fois. Voilà. Et pour conclure, donc, nous, donc à Marne, on collabore avec des didacticiens du laboratoire André Revuz, voilà, qui est hébergé à Paris 7, et c'est très enrichissant. Voilà, donc je pense que ça, sur les exercices WIMS, il faut profiter des compétences des chercheurs en didactique, voilà, sur la façon de faire des bons exercices et aussi comment les adapter au cadre des exercices interactifs. Voilà, je vais m'arrêter là.